Le scrutin référendaire du 18 juin mobilise plusieurs organisations de veille. Parmi ces organisations, la mission d'observation des élections au Mali, modèle Mali, à travers ses représentants sur l'ensemble du territoire, entend veiller sur la transparence du processus électoral. La modèle a tenu une conférence de presse ce 17 juin à l'hôtel Azalaï de Bamako. Le déroulement du scrutin dans un climat pacifique. L'accès des citoyens aux cartes électeurs non retirées dans les bureaux de vote. La tenue du scrutin dans l'ensemble des localités du Mali. L'exercice effectif du droit de vote pour tous les électeurs. La sécurisation du processus électoral. L'intégrité du processus. L'intégrité du scrutin, pardon. La participation. L'accès à l'information électorale pour toutes les couches sociales. Avec 3000 observateurs, la modèle Mali couvre environ 13% de l'ensemble des bureaux de vote dans 49 cercles et 6 communes du district de Bamako. Le dispositif permet à la mission de recueillir les données en temps réel sur les aspects importants du déroulement des opérations du scrutin, notamment l'ouverture des bureaux de vote, les opérations de vote, le taux de participation, l'heure de clôture, le dépouillement, les violences, les achats de conscience, les arrêts de vote, les intimidations, etc. Rappelons que le 11 juin 2023, la modèle a déployé 75 observateurs pour la supervision du vote des forces armées maliennes, toujours dans le cadre du référendum constitutionnel.